Bon matin encore une fois, mais cette fois-ci il est 2h45, donc on n'est pas le matin. Mais il est le matin quelque part! C'est ça! Donc, je suis avec Emma Swan, la version québécoise évidemment. Bon, je suis avec Mélisane. San! Mélisane. Merci. Mélisane, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis moi-même. Ok, et quoi d'autre? Je suis costumière pour un sous-traitant du Cercle du Soleil. Je fais de la danse. Ça fait plein de choses. Je fais le cosplay. Je dors pas. Gucci Squad. Ouais, ça c'est tout le monde qui dort. Bon matin. Il est 11h23. On est le matin. Et je suis avec la... la Swan du Québec qui s'étouffe. Et aujourd'hui, on joue à Pokémon Go. Oui! Non, non, non. En réalité, on s'en va faire un shooting de mademoiselle. Oh, 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 oh. Salut. Jadou, Jadou. Un Geodude. Évidemment, c'est l'événement Pokémon Rush. Donc, il y a plein de Pokémon Rush. Donc, aujourd'hui, Emma Swan, que je shoot au mais vrai. Donc, sur ce, je vous dis bye! Bon. C'est ça. Et aussi, tu as une badge cosplay. Oui, SC cosplay. Dis-moi, pourquoi tu aimes ça faire des séances photo? Pour voir mes résultats de costume. J'incarne un personnage. Ça fait des beaux souvenirs. Des belles photos Facebook! Mais bon, ensuite de ça, combien de temps es-tu prêt à attendre avant d'avoir tes photos, après un shooting photo? Un mois, même. Deux mois. D'accord. Parce que je sais que le photographe, il y a bien des affaires à faire. Faut qu'il dorme aussi. Dormir, c'est quoi? Je vais dormir. I'm dead. Non, c'est ça, je vais faire tantôt quand je vais t'avoir mis dehors. Hilary, hashtag, I'm dead. Ah, Hilary. Plus tard, Hilary, plus tard. Une entrevue avec toi. Dis-moi, compte-moi ta plus belle expérience que tu as eue lors d'une séance photo. Ben aujourd'hui, c'était super le fun en partant. Il n'y a pas eu d'autres personnes qui te prennent en photo. Belle température. On n'était pas pressé dans le temps. On l'a été un petit peu parce qu'il faut que je me couche parce que je travaille de nuit, mais, sinon, ouais, mais on aurait resté encore baisé, je pense. Pas super. Parfait. C'est pas comme dans le Comic Con où c'est que t'es. Dis-moi, ta plus mauvaise expérience lors d'une séance photo? Bon, ben, je pense que c'est dans mes premières, à cause de mon maquillage, qu'il a tout scrappé. J'étais fatiguée parce que j'étais revenue à chez nous à minuit, puis il fallait que je boue à 4 heures. Mes cheveux n'ont pas tenu. Puis c'était même ma première, que je savais même pas comment poser. Ah, d'accord. Ensuite de ça, qu'est-ce que la pire chose qu'un photographe ait fait lors d'une séance photo? À date, rien pas tout. Good. Pour l'instant, hein? Je suis bon. C'est pour ça. Non, il y en a une autre. Ben, justement, tant qu'à faire ton ou ta photographe préférée, c'est. Ben, tu veux, il va falloir que je la paye encore à la fin de la. Ça me coûte cher, moi, ces entrevues-là. Ensuite de ça, combien es-tu prêt à payer lors d'une séance photo cosplay? Jusqu'à 100$. Jusqu'à 100$. Cool, je vais augmenter les prix avec toi. Envoyez un message à mon agent. Non, non, tu l'as vu ouvertement, tu es enregistré, là. Ouais, mais tu dépends des photos. Effets spéciaux et compagnie. Tu l'as pas dit avant. Confession d'une cosplayeuse. J'aime pas les papillons. Elle aime pas les papillons. Donc on la verra jamais cosplay Butterfly. Les Powerpuff Girls. Là, c'est pour la cop, ça. Non. Butterfly, oh, c'est... Pris. C'est un Pokémon. Ouais, mais... Oui, on parle de Pokémon parce qu'on joue à Pokémon à travers le shopping. Ouais, finalement. Surtout qu'elle, elle habite dans un trou, donc elle n'a pas de Pokémon qu'on a ici. Donc, eh oui, dans Once Upon a Time, il y a une version Alice au Pays des Merveilles. Et nous sommes présentement dans un labyrinthe. Maman, je suis perdue! Donc Emma tente de nous sortir d'ici, vu que c'est l'héroïne. oui. Ben oui, je suis en avant, mais c'était juste pour filmer, parce que je l'allais choisir les directions. Fait que si je suis pas revenu d'ici demain, c'est parce que c'est à cause de lui. Pas de ma faute, c'est elle qui nous guide. Ben oui, c'est toi qui connais le labyrinthe. Qui te dit que je le connais. Non. Un conseil que tu donnerais au futur photographe qui te prendrait en photo, ça serait quoi? D'avoir confiance un à l'autre, en partant. Puis de suggérer. Ouais, c'est cool. Ok. comment je dis, exemple, moi je veux faire telle pose, mais il me suggère si c'est bon ou non. M'aide à me placer en partant. Puis qu'on ait une bonne ambiance. Complicité. Bon, je te remercie beaucoup. Ben, ça fait plaisir, je te remercie. Hein? Et évidemment, vous allez retrouver son
page. Sa page cosplay dans les commentaires en bas. Et en allant fouiller, vous allez sûrement avoir de la pub parce que madame a une troupe de danse. G-Squad! Et encore G-Squad. Vous l'avez entendu